Israël dans l'embarras au lendemain de la diffusion d'une vidéo montrant l'un de ses soldats tirer à bout portant sur un Palestinien pourtant attaché. Les images filmées par un témoin ont immédiatement été reprises par l'organisation de défense des droits de l'homme B'Tselem qui s'est empressée de condamner les dérives de l'occupation des territoires. L'incident en question s'est produit dans le village de Neilin où ont lieu régulièrement de violentes manifestations contre l'armée israélienne du fait de la présence de la barrière de sécurité qui sectionne la localité. והאירוע שנחשף אתמול באחר הצהריים שבו חייל ירה מטווח כמעט אפס כדור גומי אל פלסטיני כפות זה אירוע חריג ופסול שאיננו מייצג לא את צהל ולא את ערכיו צהל יתחקר את האירוע, יפיק את הלקחים וימצא את הדין עם האחראים Les images qui font polémique, les voici. Elles remontent au 7 juillet dernier. Devant les yeux de son officier, un soldat israélien décide de tenir en joue un des manifestants qui vient d'être interpellé et dont les mains sont attachées dans le dos. Il tire alors une balle en caoutchouc sur la jambe droite du Palestinien qui s'effondre immédiatement. The person who says he's the rioter and he says he was a non-violent rioter. We're talking about very violent riots taking place in Nihalin for the past couple of months. These riots caused injuries for nearly 10 security personnel. The person there is one of the leading leaders of these riots in Nihalin. And despite of the very minor ache in the right foot, we are taking this matter into great seriousness, and therefore we initiated a military police investigation. When the investigation will be finalized, we'll know what to do and we'll find out how to implement the conclusions.